À l'entrevue cette semaine, je suis au Conseil de la culture situé à Bonaventure, le Conseil de la culture de la Gaspésie, en compagnie de la directrice, Mme Annie Loisel. Et en deuxième partie, je recevrai Joël Gauthier, qui est agent de développement et de concertation ici même au Conseil de la culture, qui va nous parler de cultivar. Bonjour, Annick. Bonjour, Marie. Ça va? Ça va très bien. Ben oui. Annick, on va parler, bien sûr, comme je le disais, avec ton associé, avec un collègue de travail de cultivar. Mais toi, l'Assemblée générale annuelle approche. On est comme dans le temps, il y a beaucoup d'assemblées ces temps-ci. Et ça va se passer à la Maison de la culture de Grande-Rivière. Oui. Et quel bilan vous pouvez dresser là, cette année pour le Conseil de la culture? Moi, je vous dirais qu'on a eu une belle année. On s'était donné différents objectifs, entre autres d'essayer d'être plus près de nos membres et d'être sur le terrain. Donc, okay. Deux fois durant l'année, on s'est promené, on a fait des tournées. On a organisé des rencontres avec les artistes, artisans du milieu, les organismes aussi. Et puis, c'était aussi de commencer à mettre de l'avant un plan d'action pour l'année des métiers d'art qui est cette année, l'année des métiers d'art au Canada. Donc, ça, c'était dans nos priorités. Et aussi, bien sûr, de consolider l'organisme, de continuer à défendre nos membres, l'intérêt aussi de la culture en Gaspésie. Et puis, c'est certain qu'à l'automne, tout le monde, toute la communauté gaspésienne, autant culturelle qu'économique, que sociale, a été bouleversée par ce qui se passe. Oui. Ça continue, mais... ça nous a touchés financièrement et ça va encore nous toucher. Comme beaucoup d'entre nous, je pense que je dirais que plus de la moitié des Gaspésiens ont été touchés par ce qui se passe. Mais le Conseil de la culture est justement dans un travail avec le mouvement citoyen pour travailler à ce que s'il y a une nouvelle instance, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau régional, qu'on sera présent pour les conseiller puis travailler avec eux pour qu'on en sorte plus fort. Oui. Vous dites que vous avez fait beaucoup de terrain. Est-ce que vous sentez que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, que vous sentez que la population est un peu plus au courant de ce qui se passe ici au Conseil de la culture? Moi, je dirais que oui, parce qu'on utilise de plus en plus les médias sociaux. Avec Facebook, entre autres, on rejoint, je pense, une plus grande variété de gens. Ouais. On m'en parle beaucoup. J'essaie d'être présente dans les médias. Ça aussi, on voulait que les gens nous associent de plus en plus et ils comprennent aussi qu'est-ce qu'on faisait ici pour ne pas nous mélanger soit avec le ministère de la Culture ou avec d'autres organisations. Donc, on disait, nous, c'est vraiment un travail de terrain avec les membres. On les aide à se professionnaliser pour qu'ils vivent de leur art, mais aussi avec les organismes, les municipalités, pour qu'ils comprennent l'importance de la culture en région et aussi des outils pour développer la culture, des activités culturelles ou artistiques. Ça coûte combien pour être membre ici? Un individu, artiste, ça coûte 25 $ quand vous habitez en Gaspésie. Puis une organisation, ça part à partir de 60 $ Donc c'est quand même, je pense, quand vous calculez pour un an, 60 $ c'est 5 $ par mois. Et puis on diffuse leur information. Il y a aussi plein de choses qu'on leur envoie par courriel, on les tient informés. Et puis pour un membre, bien sûr, il y a tout le côté accompagnement qui vaut beaucoup, je pense. Et 25 $ c'est quand même un bon prix, là. Ça nous aide, c'est un revenu autonome qu'on a de plus pour justement amener de nouveaux projets, entre autres comme cultivar que Joël va discuter avec vous tantôt. Donc ça nous sert de levier pour différents projets qui sont toujours dans l'optique de stimuler la culture artistique, mais aussi de reconnaître le travail de nos artistes, de nos organismes, puis de nos travailleurs culturels, mais aussi des bons coups des municipalités. Ah, quand même. En culture. Puis il y en a beaucoup. Oui? Oui. Et combien de membres compte le conseil jusqu'à maintenant? Donc, présentement, je pourrais vous dire que mi-mars, nous en sommes environ 175 et on se situe à peu près au même montant que l'an passé. Donc, on est heureux. On pensait qu'il y aurait pu avoir une baisse avec l'automne qu'on a vécu, mais on est content. Donc, habituellement, c'est environ 210 là, pour un année, nos membres. Donc, vous incitez les gens qui ne connaissent pas vos services à rentrer en contact avec vous pour bénéficier de tout ce que vous pouvez offrir. Là. Oui, parce qu'il y a différents types de membres, là, qu'on parle. Si vous êtes un artiste, bien sûr, vous rentrez dans une catégorie. Si vous êtes en professionnel ou non, vous voulez devenir professionnel. Mais si vous êtes une organisation qui offre des services culturels,
Mais oui, à ce moment-là, faites affaire avec nous. Et puis, il y a aussi le fait que si vous aimez la culture gaspésienne, okay. Ça, c'est un membre qu'on appelle un membre associé. Donc, vous voulez vous contribuer au développement. Vous voulez que la culture soit diffusée au plus grand public, au plus vaste public possible. Donc, à ce moment-là, ben, vous pouvez devenir membre. C'était comme un membre d'appui. Okay. Mais c'est important, ce nouveau membership-là qu'on veut développer. Mm-hmm. Donc, si on pourrait aller chercher une cinquantaine de membres gaspésiens qui appuient la culture gaspésienne, ben, je pense que ce serait un pas en avant là, pour l'organisation. Oui. Bon, l'appel est lancé. Et justement, l'appel pour l'AGA bientôt, qui sera à Grande-Rivière à la fin mars, le 27? Oui, le 27 mars, vendredi le 27 mars. Pourquoi qu'on a choisi Grande-Rivière? C'est une tradition de se promener un peu sur le territoire? Oui, à chaque année, on change de MRC. L'an passé, on était à Gaspé. Là, l'année précédente, on était à Saint-Andémant. Puis là, on a décidé d'aller à Grande-Rivière dans un lieu qu'on ne voit pas absolument souvent, la Maison de la Culture. Oui. On va le découvrir. On fait découvrir aussi aux membres qui viennent participer à l'AGA. Oui, alors qui peut participer à l'AGA, justement? Bien, pour venir assister, ouais. N'importe qui peut venir parce que c'est public. Okay. Mais pour avoir un droit de vote, c'est autre chose. Donc, okay. Pour avoir le droit de vote, il faut être membre du Conseil de la Culture depuis au moins un mois avant l'AGA. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez devenir membre la journée même et quand même assister durant l'AGA, donc on vous fait un rapport de l'année. Il y a souvent des élections, à moins que les personnes qui se présentent ne dépassent pas le nombre de sièges qui sont ouverts. Et puis, on a 9 administrateurs sur le CA, donc on a 4 postes en élection cette année. Okay. Et puis, aussi, ben, ils connaissent au niveau de nos revenus, on a un comptable qui vient présenter notre année au niveau des finances. Et on parle aussi qu'est-ce qu'on voudrait faire au cours de la prochaine année. Et c'est souvent une bonne occasion de venir dire, ben moi, ça me tient à cœur la culture en Gaspésie, j'ai le goût de m'impliquer ou de m'impliquer dans un sous-comité où j'aimerais entendre, ben qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas toujours au courant. Donc même, je dirais, les nouveaux arrivants qui aiment la culture. Oui. Donc c'est souvent une bonne occasion de faire des rencontres. Et de créer de nouveaux liens et de nouveaux contacts. Et voilà. Alors, le 27 mars à Grande-Rivière, on rappelle là? C'est à 14h, okay. Puis juste auparavant, oui. À 13h, nous avons les 3 personnes du Conseil des métiers d'art du Québec qui viennent en Gaspésie pour évaluer des œuvres d'art d'artistes et d'artisans qui ont déposé leur candidature. Cette évaluation va se faire la veille, le 26 à Bonaventure, le 26 mars. Mais ils ont accepté d'être présents juste avant l'AGA pour faire une présentation des services du Conseil des métiers d'art du Québec. Et puis donc de 1h environ à 2h moins quart. Je pense que ça va être intéressant. Les gens pourront poser des questions. C'est 3 professionnels qui sont sur place. Et puis par la suite, ben, à 14h, ce sera le début de notre AGA. Et le dévoilement. Et bien, oui. Alors, on vous souhaite bonne chance pour la prochaine année. Merci beaucoup. Et là, on va recevoir ton collaborateur, M. Joël Gauthier, qui va nous parler d'un nouveau projet cultivar. Merci. Merci, Annie. Comme je le mentionnais, nous sommes en deuxième partie de l'entrevue avec M. Joël Gauthier, qui est ici au Conseil de la culture de la Gaspésie, situé à Bonaventure. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agent de développement et de concertation. Alors, M. Gauthier, on va parler d'un événement, une première édition pour un événement culturel. Alors, ça s'appelle l'événement Gaspésien en culture. Ce sera à New Richmond cette année pour la première édition, le 23 avril. C'est quoi cet événement-là? Cultivar, c'est un événement qu'on met sur pied pour souligner le travail des créateurs gaspésiens et des organismes de la Gaspésie. Mm-hmm. Ça prend la forme d'un événement où il va y avoir une remise de prix. Intéressant. Donc cette année, on a des partenaires qui nous permettent de remettre des prix à plusieurs artistes et organismes de la région, dont Télé-Québec pour un prix relève artistique, Desjardins pour un prix reconnaissance, puis plusieurs musées et institutions de la Gaspésie pour un prix en métier d'art, dont le Musée de la Gaspésie, le Centre culturel Le Griffon, le Manoir Le Boutillier, le Parc national de Miguacha et le Musée acadien Bonaventure. Intéressant. Alors, c'est un gros événement, là. Oui. Je me souviens que Annick nous en avait glissé un mot, mais là, c'est là, ça a pris forme. C'est bientôt le 23 avril prochain. Oui. Puis à New Richmond, ça va être à la salle de spectacle? C'est dans le cabaret de la salle de spectacle New Richmond. On attend une centaine de personnes, même un peu plus. Mm. D'ailleurs, les billets au coût de 20 $ vont être à vendre à partir de jeudi le 18 mars. Alors, tout le monde peut assister à ça? Oui. C'est comme un gala, là. C'est ouvert à tous, c'est ça. C'est un peu de la forme d'un gala.
Puis il va y avoir également la remise des prix en patrimoine de la Gaspésie. C'est la première édition. Le Conseil de la culture, on collabore avec l'organisme Patrimoine Gaspésie, qui va souligner le travail de préservation et de mise en valeur du patrimoine gaspésien par des organismes ou des individus de la région. Alors, on s'inscrivait, comment ça fonctionnait? Il y avait un comité qui choisissait les catégories, les... Oui, mais pour ce qui est du prix en patrimoine, les appels se terminaient le 20 mars. Il va y avoir un jury composé de professionnels en patrimoine qui vont évaluer les candidatures. Puis pour les autres prix, le prix relève, reconnaissance et métier d'art, ça va jusqu'au 6 avril pour déposer les candidatures. Puis on peut obtenir les informations puis les formulaires sur le site web du Conseil de la culture. Alors, on veut faire rayonner quoi là, avec ce premier événement? Bien, on veut souligner l'excellence du travail des artistes gaspésiens, leur création, leur rayonnement aussi, la diffusion de leurs œuvres puis de leur réalisation, soit en Gaspésie, soit à l'extérieur de la Gaspésie. Puis on veut faire connaître aussi aux Gaspésiens les créateurs qui se démarquent dans la région. Alors, vous pensez que ça va avoir un impact sur leur carrière, peut-être? Oui, on le souhaite pour certains, que ça leur donne un coup de pouce, puis que ça aide aussi les gens de la région à bien connaître les artistes de leur coin. Alors, bien en vente maintenant pour assister là, à ce premier événement culturel. Oui, c'est directement à la billetterie de la salle de spectacle pour les billets. Alors, on vous souhaite bonne chance et on espère que vous ferez ça le comble et que l'événement va se poursuivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une troisième portion s'est rajoutée à l'entrevue. Je suis en présence de Mme Sylvie Desrochers, ici au Conseil de la culture de la Gaspésie, située à Bonaventure. Mme Desrochers est coordonnatrice du service du développement professionnel. Alors, elle va nous expliquer c'est quoi ce beau service. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Alors, expliquez-nous, c'est quoi ce service-là là, qui est offert pour les professionnels? Alors, en fait, le service s'adresse aux artistes et travailleurs culturels professionnels, mais aussi en voie de professionnalisation, donc la relève. On ne s'adresse pas uniquement aux professionnels de la culture, mais aussi aux gens qui ont besoin d'aide pour se développer, pour développer leur carrière. En fait, le service s'occupe d'organiser des formations, soit des formations de groupe ou des perfectionnements. Les formations de groupe s'adressent à des groupes, évidemment, de 4 personnes et plus, et les perfectionnements, 3 et moins. Les gens nous proposent des formations. On fait aussi appel au milieu culturel pour nous proposer des choses, mais on fonctionne surtout avec un, et entre autres, avec un comité de développement professionnel qui supervise le travail du service et avec qui on fait des choix et on avance des belles propositions pour les gens de chez nous. La subvention qu'on a pour ce service-là nous vient d'Emploi Québec et on les remercie beaucoup. Et puis l'aide aussi du ministère qui nous aide à organiser ces formations-là. Les formations peuvent aller dans tous les sens. Donc, on parle autant de formation disciplinaire et là, dans ce cas-là, ça peut être, je sais pas moi, au niveau des arts visuels, la poterie, la danse, on peut tous les nommer, la musique, etc. Donc, la discipline comme telle. Maintenant, ça peut aller aussi à l'aide aux organismes culturels. On parle des musées, on parle de tous les organismes culturels, les salles de spectacle, etc., qui peuvent faire appel à nous pour aider leurs employés à être encore plus professionnels. Et on parle de formation, le but en fait des formations, c'est de rendre les gens encore plus aptes à mieux gagner leur vie, les organismes à mieux fonctionner. Donc on parle autant de formation, comme je le disais, disciplinaire, ou de formation qui peuvent être en aide à la carrière des artistes ou des travailleurs culturels. Donc, par exemple, ça peut être pour le web, les aider à apprendre des nouveaux programmes qui existent pour numériser ou pour les aider à faire connaître leurs œuvres sur le web. Donc, on parle de toutes sortes de moyens parce qu'il y en a énormément maintenant. Ça peut autant aller à, par exemple, apprendre à comment fonctionner avec un compte Facebook professionnel ou avec des logiciels comme Final Cut Pro pour du montage ou d'autres. Alors, ça, on cible les entreprises, mais les organismes. Oui. Si on parle, exemple, d'un peintre ici, là, qui est membre, Nos services au niveau des formations s'adressent aux membres et aux non-membres. Il n'y a pas d'obligation d'être membre pour pouvoir demander ou participer à nos formations. Oui, c'est intéressant. Oui. C'est méconnu, hein? On incite les gens. Oui, c'est méconnu. C'est très méconnu. Heureusement, il y a des gens qui font appel à nous, mais il y en aurait beaucoup plus qui pourraient faire appel à nous.
parce que les formations leur permettent souvent, et on reçoit beaucoup de commentaires à ce propos-là, de faire vraiment un pas en avant souvent dans leur carrière. C'est des formations qui peuvent durer une heure, comme ils peuvent durer 30 heures. Les formations vont être suivies ici, à l'extérieur, à Montréal. Il y a même des gens qui vont suivre des formations en France ou aux États-Unis. Et pour ça, on les aide financièrement. Bon, on ne peut pas aider les gens au niveau de leur transport, de leur hébergement, etc., s'ils vont à l'extérieur de la région. Vous aidez à la formation. Mais on aide pour les frais de formation, à payer une très grande partie des frais de formation s'ils vont à l'extérieur. Et ici, soit que les personnes peuvent aller aussi à l'extérieur, bon, on parle Montréal aussi, ou les environs, ou on fait venir carrément les formateurs ici, en région. On peut faire des formations aussi, par exemple, faire venir un formateur, comme on l'a fait dernièrement, pour plusieurs formations, et qu'il aille, je ne sais pas, à Gaspé, à Bonaventure, à Saint-Anne-des-Monts, ailleurs, selon les demandes qu'on a aussi. C'est intéressant. Alors, comment faire pour justement cibler ces personnes-là qui ne vous connaissent pas? C'est aujourd'hui, on lance l'appel. Alors, moi, je leur dirais en premier lieu d'aller sur notre site culturegaspésie.org, sous l'onglet « Formation » pour au moins avoir une idée du programme. Ensuite, de me contacter. Bon, évidemment, les coordonnées vont aussi se trouver sur le site. Et c'est la meilleure façon de fonctionner, de me parler de leur projet. Mm-hmm. Évidemment, en amont de ça, avant ça, bon, je vais vérifier avec eux aussi où ils en sont dans leur carrière. Est-ce qu'ils débutent? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus avancés, etc.? Et peut-être voir aussi, éventuellement, aller envoyer voir Joël, qui a eu une entrevue également, pour mieux déterminer où ils en sont, justement, et leurs besoins. Si leurs besoins sont vraiment bien déterminés, que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a besoin, là, à ce moment-là, c'est de compléter un formulaire de demande. Évidemment, je dis toujours aux gens, appelez-moi plutôt que de travailler dans le vide qu'on voit et que je puisse vous aider. À partir de ce moment-là, ils font le dépôt de leur projet et le projet peut avoir lieu dans une période X plus loin. On a 3 périodes de dépôt et 3 périodes où peuvent avoir lieu les projets au cours de l'année. C'est pour cela on termine bientôt la période d'inscription pour l'automne déjà. Alors, oui, c'est ça. Donc, les gens ont jusqu'au 30 avril pour des formations qui pourront avoir lieu en octobre et novembre. Là, on est un peu en fin d'année. Oui. Donc, nos formations viennent de terminer. Il y a une nouvelle cohorte qui va commencer des formations en mai et juin, qui nous a déposé des formations en février tard. Okay. Là, les gens peuvent redéposer jusqu'à la fin avril pour octobre et novembre. Et on a eu beaucoup, beaucoup de demandes ce printemps. On espère en avoir d'autres, plusieurs, pour le mois d'octobre-novembre, qui, on pense, est une très bonne période. Oui, pour les formations. Oui. Alors, c'est le Blitz. C'est ici, je dois vous dire, peut-être que, bon, au Conseil de la culture, vous conseillez bien, alors, de ne pas se gêner. Merci. Puis, même vous pourriez demander des formations si vous en avez besoin. C'est vrai, intéressant. Absolument. On parle de ça à notre conseil. Mais merci beaucoup, Madame Desrochers. Au plaisir, au revoir.